Et salut tout le monde, c'est Z. On se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo sur Nier Incarnation. Une vidéo qui n'était pas prévue à la base, mais bon, je vais le faire dès maintenant. Ce sera une petite vidéo à part de la mage qui arrivera demain. C'est en fait, ça arrivait là dans la nuit. On a en fait une mise à jour du shop qui a été faite, du shop de Nier Automata, qui nous donne du coup un nouvel item hein, qui est une arme 4 étoiles. Donc, le contrat. Le contrat vertueux, donc comme ça on va pouvoir récupérer en 4 étoiles. Alors on avait, enfin non, c'est pas le contrat vertueux, c'est le traité vertueux, parce qu'on a déjà le code contrat vertueux en 3 étoiles. Donc voilà, allez la farmer, ça va vous coûter 4000 jetons, donc c'est assez rapide. C'est une très bonne arme. Personnellement, j'en ai pas besoin parce que j'ai déjà les armes de ce type. Je sais pas comment on les appelle. Des armes comme ça, c'est parce qu'en fait il y a des types d'armes. Bon, bref, en gros, c'est des armes à deux mains, je crois. Voilà, je crois que c'est comme ça, comme étant des armes à deux mains. Ça, c'est des épées. Ouais, donc voilà, c'est une arme à deux mains. Mais perso, moi j'ai déjà accès. Mais pour ceux qui ont pas d'armes 4 heures comme ça, ou qui en ont très peu, allez foncer, ça va vraiment être utile. Et en plus de ça, vous donnez plus 10 du coup. Pour l'event de Nier Automata, si vous le mettez au max, peut-être même plus, on va aller checker ça. Juste vite fait combien ça donne. C'est considéré comme étant 4 étoiles ou pas. Tac. C'est considéré. Alors non, c'est considéré comme étant une arme. Ah voilà, c'est considéré comme étant une arme avec un plus 10 et pas un plus 15. Mais en tout cas, c'est quand même excellentissime, donc allez farmer ça. Comme ça, pour les retardataires, ça vous permettra de farmer plus vite. Et puis, même vous aurez une arme gratuitement en full maxé en 4 étoiles. Voilà, donc on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, bye bye.